Et yop les potes, yo tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi pour ma part, ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous en pouvez le voir au titre de la miniature, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo info. Et oui, ça fait depuis très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo info. Comme vous le savez, ça fait au moins depuis 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo information sur Fortnite. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit refait des vidéos information. Donc j'en refais une aujourd'hui car il y a des nouveautés sur Fortnite. Et en même temps depuis 3 semaines il n'y avait pas de nouveautés, donc je faisais pas de vidéo info. Mais à la place je vous sortais des vidéos en créatif où je joue en créatif pour vous montrer à peu près les nouvelles maps qui sortent, etc. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas abandonné les vidéos info. J'en fais encore, bon un peu moins car ça commence à être assez chiant les vidéos info. Bah c'est pas chiant mais il n'y a plus tellement d'infos à dire. Du coup je fais un peu de vidéos où je joue en créatif. Si vous voulez jouer en créatif avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est juste en description et aussi dans les commentaires de cette vidéo, ça ferait super plaisir. Donc comme vous l'avez compris, je suis de retour. Et bien sûr, la petite routine juste avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Avec la cloche des notifs, c'est encore plus important que s'abonner, car si vous activez la cloche des notifs, pour ceux qui ne sauraient pas, bon je pense que tout le monde le sait, vous pouvez recevoir toutes mes prochaines vidéos et mes prochains lives, car oui, j'ai pas live depuis très longtemps et je compte en refaire, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifs. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, ça ferait super plaisir. On mise 50 likes en moins de 24 heures, je sais que vous en êtes capable, donc n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo. Donc bientôt le résultat du concours, il vous reste encore quelques jours pour participer, donc pour participer vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez, c'est très très important avec la cloche des notifs et mettre votre pseudo Epic Game en commentaire, ça ferait super plaisir. Donc c'est parti pour la vidéo, aujourd'hui j'ai plusieurs informations à vous dire et ça annonce du très très lourd. Déjà nous allons parler de Xbox et de PlayStation. Comme vous le savez, des nouvelles consoles vont sortir. Il y aura la PS5 qui va sortir et la Xbox Series X si je me trompe pas, car je suis pas trop Xbox, moi j'ai plutôt PS5. Et en fait il y a quelques théories, c'est même pas des théories, c'est validé. Il y aura des starter packs gratuits en achetant une PS5 ou une Xbox. Après Xbox je suis pas sûr, mais une PS5 je suis sûr. Et du coup je vais vous montrer 2-3 concepts qui sont sortis. Donc ce concept il est vraiment très très intéressant. Comme vous le voyez à l'écran, c'est un skin de la couleur de PlayStation, le bleu, et avec le logo sur l'épaule, je crois, je me souviens plus trop du logo, et donc je trouve vraiment très très stylé. Il ressemble déjà à un skin qui était déjà sorti il y a assez longtemps, je crois que c'était à peu près il y a un an, dans les packs que tu avais quand on avait le PS Plus. Et du coup il ressemble un peu à ce skin mais en modifié. Il y a quelques accessoires avec une pioche et un sac à dos, donc celui qui a créé ce concept c'est vraiment très très intéressant, moi je trouve qu'il est validé. Et donc ça va être un truc dans ce genre qui va sortir quand la PS5 va sortir, et pareil pour la Xbox, mais je pense plutôt dans les couleurs vertes, car comme vous le savez le vert c'est Xbox. Après une autre information, comme vous le savez, Stark Industries c'était une ville qui avait apparu comme ça sur Fortnite, sur un espèce de gros rocher qui s'est imprégné dans la map de Fortnite à la place de Frenzy Farm. Et en fait et bah à cet endroit il y a le bus de combat qui a été modifié, le prochain bus de combat, je vous mets quelques images à l'écran, je le trouve vraiment assez stylé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous le trouvez assez stylé, mais moi pour ma part je le trouve très très stylé. Après une information qui va plaire à beaucoup de monde, je pense plutôt aux joueurs iOS. Comme vous le savez, Fortnite a été supprimé sur les plateformes iOS à cause d'une polémique qui est tournée, car Fortnite avait à peu près dévié la commission, un truc dans ce style. Si vous voulez voir l'histoire en entière, allez dans la description de cette vidéo, j'en ai fait de la partie 1 et la partie 2 où je vous explique toute l'histoire entre Fortnite et Apple. Et en fait on a des nouvelles sur ça, je vous en ferai peut-être une vidéo plus détaillée. En fait il y aura un nouveau procès avec Apple et Fortnite où ils vont encore se débattre pour savoir s'ils rajoutent Fortnite sur Apple ou pas, ou laissent la suspension de Fortnite saison 3 sur leur iOS, car comme vous le savez vous êtes toujours bloqué sur la saison 3 le temps que nous allons passer à la saison 5. Ça commence à faire, c'est déjà quand même 2 saisons, car comme vous le savez la saison 4 c'était 4 mois, la saison 5 ça va être aussi 4 mois de mes souvenirs. Et du coup vous êtes bloqué et il y aura un procès qui va être refait dans 186 jours. Je sais ça fait quand même beaucoup, mais ils ne pouvaient pas avancer ce procès plus rapidement. Après comme vous le savez, les défis de Wolverine sont finis, ils sont tous sortis et vous pouvez enfin le débloquer. Donc n'hésitez pas à faire les défis en balle, vraiment faites-les tous et comme ça vous allez débloquer le skin Wolverine. Pour information, faut avoir le pass de combat pour avoir ce skin Wolverine, car il y en a ils pensent qu'il ne faut pas avoir le pass de combat, mais je vous le redis, il faut avoir le pass de combat. Moi perso je l'ai bientôt débloqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt l'avoir.
Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et d'activer la cloche des notifs, c'est très très important. C'est même plus important que s'abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et tous mes prochains lives. N'hésitez pas aussi à liker, pensez aux 50 likes en moins de 24 heures, je sais que vous en êtes capable. Mon serveur Discord est en description si vous voulez, car je vais bientôt organiser une vidéo où je joue avec vous. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, c'était Alexis, allez, tchuss ces gens.